l'homme, la beauté l'est aussi, l'esprit d'entreprise et la force incommensurable des femmes en tant que vecteur de développement de nos nations. L'élection Miss Communale Brazza 2024 est une initiative de l'agence Culture Art Pro par le biais de Madame Vanessa Bichon sous la coordination de Monsieur Oxine de Brély Ounélé. Cette activité qui a pour objectif de générer les femmes entrepreneurs aujourd'hui et de demain est créée pour être organisée dans toutes les villes urbaines du Congo afin d'accompagner la nation dans sa quête et sa vision de développement. Ainsi, je fais appel à toutes les forces vives de nous accompagner dans cette initiative prometteuse que nous nous sommes engagés. Aujourd'hui, nous ne cherchons pas simplement à couronner une reine de beauté, mais à reconnaître et à honorer les femmes qui, par leur courage, leur détermination et leur innovation, apportent un changement positif dans notre société. Le thème de cette élection est « Femmes vecteurs de développement des nations ». Et ce thème nous rappelle l'importance cruciale des femmes dans tous les domaines de la vie. Que ce soit dans l'économie, l'éducation, la santé ou encore la culture, les femmes jouent un rôle essentiel dans le développement et la prospérité de nos communautés. Elles sont les piliers sur lesquels reposent nos espoirs et nos aspirations pour un avenir meilleur. Nous vivons une époque où l'entrepreneuriat féminin est en pleine expansion. Les femmes entrepreneurs transforment le paysage économique avec des idées novatrices créant des emplois et inspirent les générations futures. Elles montrent qu'avec de la passion, de la persévérance et une vision claire, il est possible de surmonter les obstacles et de réaliser des rêves ambitieux. Ce soir, nous allons découvrir des candidates exceptionnelles. Chacune d'entre elles ayant non seulement une beauté intérieure qui se manifeste par leur engagement à faire une différence dans le monde, elles sont des modèles, des leaders et des sources d'inspiration pour nous tous. À travers cette élection, à l'issue de laquelle les candidates bénéficieront des formations professionnelles et qualifiantes, nous voulons envoyer un message fort. Chaque femme a le pouvoir de changer le monde. En soutenant l'entrepreneuriat féminin, nous renforçons la capacité de nos nations à innover, à croître et à prospérer. Nous affirmons notre foi en un avenir où l'égalité des sexes n'est pas seulement un idéal, mais une réalité tangible. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement, ainsi que nos partenaires pour leur soutien précieux. Merci également à nos juges qui auront réussi de lourdes charges, mais gratifiant de choisir parmi tant de talents extraordinaires. Chers candidates, je vous félicite d'avance pour votre courage et votre détermination. Vous êtes toutes gagnantes et votre participation à cette élection est déjà une victoire pour vous-même et pour toutes les femmes qui se battent pour leurs rêves. Ensemble, célébrons la beauté, la force et l'impact des entrepreneurs. Ensemble, construisons un avenir où chaque femme peut s'épanouir pleinement au développement de nos nations. Merci et la meilleure gagne. Je vous remercie.
Thank you.
Le Congo est l'un des pays dont la femme doit toujours
toujours chercher sa place dans la société. Thank you.
Mon projet s'appuie sur l'élevage de la volaille, qui relève d'une importance capitale au sein des marchés domaniaux. Redorer le plafond du domaine de l'agriculture reste crucial pour des raisons économiques, sociales et nutritionnelles que nous sommes sans ignorer. Ainsi, pour débuter mon projet, il me faut une somme estimée de 1 544 000 francs CFA dont j'ai compensé toutes les dépenses. Merci. Ce projet, une fois réalisé, viendra équilibrer le panier de la ménagère, dont les produits flambent et fait de sorte que le déséquilibre soit constaté. En tant que candidate, je souhaite mettre en avant le projet en lien avec la protection de l'environnement, car je crois fermement que cette démarche sera efficace pour préserver notre commune des effets de la pollution, notamment la pollution du sol, la pollution de l'air et la pollution de l'eau. Mon objectif est de contribuer activement au recyclage des déchets alimentaires trouvés dans les marchés pour en faire de l'engrais bio en vue d'aboutir à un commerce plus rentable, tout en combinant bien évidemment recyclage, innovation et ingéniosité. Car je crois que tous ensemble, nous avons le pouvoir de renforcer les liens qui nous unissent et à bâtir un environnement meilleur pour tous les habitants de notre très chère commune. Si j'ai la chance d'être élue, je m'engage à être une ambassadrice dévouée de nos valeurs locales, à promouvoir notre patrimoine commun et à encourager la participation active de chacun et de chacune au processus de développement de notre nation. Et je le redis encore une fois, en tant que jeune, nous avons le pouvoir de faire la différence et d'imposer des changements positifs pour contribuer à l'évolution de la jeunesse qui est aujourd'hui bafouée et mise en arrière. Je suis Défou Moufalon Merveille, éducatrice au secteur privé et assistante à l'entreprise Consulting Global Invest. Je suis candidate numéro 11. Je représente mon avancement. Cette fille. Tout d'abord, je voudrais apprécier ma reconnaissance à l'Agence Culture d'Arpo et à la commission d'organisation de cette belle compétition. En tant que femme, j'ai un projet de créer une usine textile en partenariat avec l'ambassade de la Chine et la Russie, pour aider la population à être indépendante financièrement. L'événement était basé sur l'entrepreneuriat. À la différence d'autres événements, il y avait le critère d'âge qui était évalué entre 18 et 30 ans. Et la taille était comprise entre 1,60 m et plus. Le poids était indépendant parce que ce ne sont pas la chair qui s'impose, c'est plutôt la masse corporelle. Donc du coup, on n'a pas pris le critère d'âge. Et il fallait être de nationalité congolaise résidente à Brazzaville. Du début jusqu'à la fin, c'est la structure elle-même qui a mis la main dans la pâte pour faire à ce que cet événement soit. Donc de toutes les portes que nous avons su toquer, aucune nous avait été ouverte en fait. Et nous l'avions constaté, nous comprenons, parce qu'en fait, nous sommes dans notre pays, la réalité est que les jeunes entrepreneurs, on leur accorde moins de crédit. Voilà pourquoi, comme je venais de le dire, on a commencé du début jusqu'à la fin avec nos propres efforts. L'événement était basé sur l'entrepreneuriat. À la différence d'autres événements, il y avait le critère d'âge qui était évalué entre 18 et 30 ans. Et la taille était comprise entre 1,60 m et plus. Le poids était indépendant parce que ce ne sont pas la chair qui s'impose, c'est plutôt la masse corporelle. Donc du coup, on n'a pas pris le critère d'âge. Et il fallait être de nationalité congolaise résidente à Brazzaville.